Salut les kikis. Bon, aujourd'hui je vais vous parler de l'installation solaire. Mais en fait, je vais vous faire deux vidéos. Je vais vous en faire une simplifiée, courte, ça va être celle-ci. Et je vous en ferai une plus longue et complète. Bon, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les vidéos trop longues. Donc pour expliquer un petit peu le système de l'énergie solaire, que ce soit d'ailleurs pour votre maison ou pour votre mobil home, hein, ou pour votre fourgon aménagé, comme c'est le cas pour moi, ou votre camping-car, hein, pour avoir une énergie. Donc, vous voyez ici un petit logo. Déjà, c'est My Shop Solaire. My Shop Solaire, parce que c'est la référence au niveau des panneaux solaires. Je travaille pas pour eux, je suis pas rémunéré, mais il fallait que je vous le dise. Et je reviendrai après pourquoi. Voilà. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un kit solaire? Qu'est-ce qu'il va vous falloir pour avoir un kit solaire? Alors, il va vous falloir un panneau solaire minimum, ou deux ou trois, ça on le verra après, suivant vos besoins électriques. Les fixations du panneau, un régulateur de tension, une batterie et des câbles. Après, là-dessus, viendra s'ajouter sûrement, probablement, un convertisseur. Mais le kit solaire par lui-même, c'est panneau, régulateur, batterie. Batterie cellule, on va dire. Batterie de stockage, si vous préférez. Voilà. Donc, voilà ce qu'il vous faut. Pour savoir ce qu'il vous faut exactement comme puissance et tout ça, alors là, il n'y a pas de secret parce que il existe des centaines de combinaisons. Et la première chose qu'il faut faire, c'est calculer votre consommation, votre besoin en électricité. Ça veut dire si c'est juste pour recharger des téléphones portables, des tablettes et de l'éclairage, ça va être une petite installation. Si après, comme plutôt comme nous, ça va être une installation complète pour l'autonomie et avec beaucoup de matériel, ça veut dire l'éclairage, bien sûr, les pompes à eau pour la douche, le chauffage pour l'eau chaude, le frigo, enfin tous ces trucs-là, ça va être une installation plus grosse, évidemment. Et donc tout ça, le matériel ne sera pas le même. Ça veut dire qu'il y a des panneaux différents au niveau des watts, il y a des convertisseurs, des régulateurs différents, des batteries différentes, et à chaque fois, pour chaque personne, pour chaque consommation correspond un type d'équipement. Donc je ne pourrais pas vous dire un équipement qu'il vous faut si vous ne connaissez pas vos consommations. Ça, c'est impossible. Il faut calculer vos consommations. Vous avez des sites, des calculettes en ligne en fait, pour calculer vos consommations et pour savoir ce que vous avez besoin comme kit solaire. Vous en avez sur Internet. Si jamais, je vous donnerai le lien, vous me demandez et je vous donnerai le lien. Après, chose très importante, avant de commander votre kit solaire, vos panneaux et tout ça, prenez bien vos dimensions pour les emplacements. Les emplacements des panneaux, mais aussi les emplacements de la batterie. Calculez bien tout, parce que toujours pareil, si c'est une petite installation ou une grosse installation, il faut être sûr que ça passe. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quel panneau si vous n'avez pas la place sur votre toit. Hein. Admettons que c'est un camping-car et il y a des lanternes, vous ne pourrez pas les mettre. Même si c'est un fourgon, vous verrez dans ma vidéo plus longue que j'ai mis deux gros panneaux, mais j'ai été obligé de faire une adaptation. La batterie peut être très volumineuse aussi et très lourde. Donc ça aussi, il faut le calculer, il faut y réfléchir. Voilà. Une fois que vous aurez fait vos emplacements, vos consommations, je vous conseille directement d'appeler My Shop Solaire. C'est une équipe qui est très professionnelle et qui va vous aider et qui va vous conseiller, qui va vous dire exactement ce qu'il vous faut. Parce que c'est pas le tout de calculer ses consommations. On va vous donner un résultat, mais il faut savoir que les panneaux solaires, suivant la région où vous êtes, suivant l'ensoleillement et suivant plusieurs paramètres, il va falloir de toute façon taper plus. Un minimum de 30-40% en plus de ce que vous avez besoin pour avoir une autonomie. Voilà.
Donc, je vous conseille de les appeler. Ils sont vraiment hyper pros. Ils prennent le temps. Hein, ils vous expliquent le tout, le pourquoi du comment. Et ils vont vous orienter vers le meilleur produit. Après, libre à vous d'aller autre part. Moi, je vous conseille sincèrement MyShop Solaire. Parce que c'est vraiment du super matos. Et ils sont très professionnels. Et vous pouvez les rappeler. Il y a un suivi. Si vous avez un doute sur l'installation, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà ce que je vous expliquais pour le moment. Et j'essaie de vous faire la deuxième vidéo dans la journée, plus complète, plus longue, elle sera plus longue, plus complète, avec mon installation à moi personnalisée, pour que vous puissiez voir les étapes à réaliser et comment ça s'est passé. Mais tout fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Voilà les kikis. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à plus tard. Ciao.